Salut, zami mouen. Jodi ya, nan numéro 622, nan rubrique nou an, ma Bible, mon trésor, nou vle continuer motivé ou sou nécessité ki genye pou kapab comprendre et konnen parole bon Dieu. Il est important, utile et nécessaire d'étudier la parole de Dieu. Ben nou pran un petit temps pou nou rappeler ou que objectif principal rubrique ça c'est pour nous capables motiver et encourager pour aimer la parole de Dieu, pour capable lire étudier la parole de Dieu, pour capable chercher comprendre et pratiquer parole bon Dieu. N'a rappelons que Dieu, notre Dieu, il est un Dieu de connaissance et le nom de son fils unique est la parole incarnée, le Verbe, la vérité. Zami mouen, ou dois étudier et connaître la Bible parce que Dieu en est l'auteur. De même que nul citoyen dans une société n'est censé ignorer la loi, de même que le chrétien en tant que citoyen de la cité céleste n'est pas capable d'ignorer parole bon Dieu. La Bible est la constitution de l'Église de Dieu. Dieu nous a donné les Saintes Écritures pour nous délivrer de l'ignorance. Et c'est dans ce sens ça n'a rappelé que l'ignorance concernant la parole de Dieu est le plus grand ennemi du chrétien. Le peuple de Dieu s'autodétruit lorsqu'il ne connaît pas la parole de Dieu. Une plus grande bénédiction que bon Dieu bail chrétien, c'est la connaissance de l'œuvre et de la personne de Dieu à travers les Saintes Écritures. Zami mouen, bénédiction ça doit tourner dans la vie, la source de toutes les autres bénédictions de Dieu. Moun ki konn parole bon Dieu, li se yon moun béni. Moun ki mette en application la parole de Dieu qu'il connaît très bien, li se yon moun ki doublement béni. Zami mouen, t'en prie, pa kite bénédiction ça yo gaspillé. Dispose yo, l'ouvri cœur, mette à l'écoute de la parole de Dieu. Mette un petit temps à part pour lire, étudier et pratiquer la parole de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu mène au salut. Et le chrétien qui connaît et pratique la parole de Dieu, il est toujours plus que vainqueur. Ou doit connaître et étudier la parole de Dieu, parce que le Seigneur lui-même vous a donné le commandement d'étudier les Saintes Écritures. Josué 1er verset 8, que le livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu dois y méditer jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui y est écrit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Apôtre Paul t'a exhorté Timothée dans la deuxième épître à Timothée, le chapitre 2, le verset 15, Éphèse 3, de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a point à rougir et qui dispense avec droiture la parole de Dieu. Et puis tout, zami mouen, c'est Jésus même où t'a insisté dans Matthieu 4, le verset 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ou doit chercher bien connaître la parole de Dieu, parce que tout serviteur et servante bon Dieu à travers la Bible te connaît très bien la volonté de Dieu à travers les paroles révélées. Dans ce sens, nous nous rappelons de l'apôtre Paul, très avancé en âge et à la fin de son ministère, il insistait auprès de Timothée en disant, « Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. » 2 Timothée, le chapitre 4, le verset 13. Parchemins, ça a représenté des copies des rouleaux des livres de l'Ancien Testament. Bien que Paul fin dit qu'on n'y a pas de problème, moi fin fait travail le Seigneur, moi prête pour mourir. Li connaît encore et toujours, li capable de tirer quelque chose de bénéfique pour sa vie, des bénédictions de la lecture ou de l'écoute de la parole de Dieu. Zami mouen, tout bon vrai, les chrétiens qui ont une parole bon Dieu, son bagage tout à fait spécial.
Est-ce la raison pour laquelle l'auteur du psaume 119 insiste et répète « Ô Seigneur éternel, enseigne-moi ta parole. » Prière ça ou joigne-ni dans verset 12, verset 26, verset 33, verset 64, verset 66, verset 68, verset 108, verset 124 et verset 135. Est-ce qu'on pas t'a remis fait même prier ça également pour dire « Seigneur, enseigne-moi ta parole. » Amen.